Yes, verso.tv. Ça, vous êtes avec Cracky a Star. Avec le Waka. Yeah. Rempli de pic-pic. Pic-pic, man. Ça, c'est mon nom de camp de, vacances. Aïe. So, t'as un battle avec Factual qui s'en vient, hein? Absolument, man. Qu'est-ce qui a fait que finalement... Ben, je sais que c'est lui, là. On en a parlé avec lui. C'est lui qui t'a lancé le défi. Right. C'était quelque chose, ça faisait quand même quelques années, les fans en parlaient. Les fans en parlaient, man. Et toi en premier. J'ai vu un vieux commentaire sur le vieux battle que tu disais que tu voulais voir Waka contre Factual. Fait que vraiment, ce battle-là, c'est un parka pleaser. franchement, je pense pas que juste moi, mais oui, effectivement, je suis quand même très, très, très hâte de voir ce battle-là. On le sait, toi pis Waka, je veux dire toi pis Factual. Yeah, Waka. Toi pis Waka, vous avez une relation très proche. Yeah. Pis peut-être pas autant proche, mais avec Factual aussi, il y a quand même. Vous avez fait plusieurs projets ensemble. Yeah. Est-ce que ça veut dire que vous allez vous complimenter? Comment est-ce que tu penses que ça va changer le battle, votre proximité? De mon côté, honnêtement, ça change pas grand chose. Je sais pas si c'est parce que je suis habitué de faire de nombreux battles, mais comme c'est pas comme dans l'équation, tu sais. C'est pas genre de quoi que je suis full aware constamment quand j'écris le battle. Je sais par exemple qu'il y a des limites que je veux pas cross pour rien, genre, tu sais. Comme j'essaie de rester dans le shocking, mais dans le comme we having fun, fam. Mais sinon, tu sais, ceux qui pensent que genre, yo, on a écrit ça ensemble puis qu'on a préparé ça, bro, ain't no way in hell we're doing that, genre. Mais tu sais, je pense qu'aussi ça va être un genre de bon showcase pour démontrer qu'on peut se connaître à un certain level puis pouvoir battle ensemble, tu sais. Right. Comme moi, par cas, on est annoncé pour le volume 5, puis comme, yo, bro, c'est possible, là, tu sais, c'est pas... On était au volume 15, mais on se connaissait déjà un peu, yeah. Peut-être pas, on n'a pas fait de chansons ensemble et tout, mais non, tu sais, ça a quand même donné un edge au battle, je pense, le fait qu'on se connaissait quand même pas pire. Ça rajoute un petit competitive nature, du moins, moi, c'est ce que j'ai senti. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir ça avec Factual? Ben, tu sais, toi, personnellement, quand je t'avais battle, je voulais vraiment te battre, puis c'était important, fait que... Là, c'est une autre approche complètement. T'sais, moi, ça fait un bout là, que j'essaie de me battre moi-même. Puis c'est un truc qu'un peu tout le monde dit, mais really, c'est ça. Puis je m'y suis pris un peu à l'avance, essayer de. Bon. De un peu compete avec Miguel dans cette lane-là. Au niveau de la préparation. Un peu en avance. Ouais. Ça, il me reste un round. C'est dans 7 jours, 6 jours. C'est très chill. Je dispose d'une bonne marche. T'es on schedule pour le Waka. Je suis très on schedule, c'est très... On t'a vu sur les réseaux, là, justement, parler de ce round-là, offrir la possibilité à un fan de donner la direction que t'allais prendre pour ce round-là en échange de paiement de 200$. Où est-ce que t'en es dans cette entreprise? J'en suis nulle part, actually. Comme... Yo, on the real, si quelqu'un m'avait proposé de quoi... genre, qui aurait fait du sens, qui était pas une joke, genre. Ça aurait pu se faire, mais tu sais, en même temps, c'est comme continuer pour faire parler du battle, puis tout ça, oui, c'est ça le but. Puis, mais tu sais, ouais, je m'engage, tu sais, je veux pas spoil, mais tu sais, j'aime pas ça trop, on dirait maintenant les troisième rounds qui suivent un peu trop les deux premiers, puis tout ça, fait que j'essaie de switch it up un peu, puis comme c'est hit or miss, mais tu sais, je sais que j'ai assez de stock dans mes deux premiers rounds pour péter n'importe qui sur terre, genre. Fait que c'est ça. Tu te permets de prendre un peu plus de risques, là. Ouais, ben je pense aussi que c'est chill pour le monde qui comme commence à s'intéresser à la discipline, de genre pouvoir voir que yo, t'es pas obligé de juste. Insulter ton opposant, tu peux sortir, tu peux garder le cadre de base du battle rap, puis à un moment donné, quand tu es vraiment à l'aise avec ça, puis tu l'as masterisé comme je l'ai fait, no brag, là, c'est just what it is, tu peux sortir de ça, puis commencer à fuck around avec a few things, là, tu sais. C'est comme les DJ qui apprennent à faire des beats parfaitement, ben à un moment donné, ils vont faire de quoi de plus un orthodoxe, puis switch le tempo, switch les shit juste un peu pour comme se contraindre. Mais c'est dans la contrainte qu'on évolue. Right. Gros talk. Battle jugé, ceci étant dit.
Jugé par le loud pack. Je pense pas qu'ils sont sur le panneau de juge. 500$ en jeu, mis par notre sponsor Hip Hop Music. Shout-out à lui, man. Ben oui, shout-out Sabri. It's good money. Est-ce que toi, ça change quelque chose dans ton approche? Non, pas vraiment. I'm paid. I'm just too paid, man. This rap shit, tu sais, vous pouvez me voir, man. Je sors d'un événement. End of the week, just got paid. Next week, I will still get paid. Bro, c'est nothing much, comme le dirait le partenaire d'Opéchi. Yes. Aide, ben écoute, est-ce que t'as des last words pour that upcoming battle? Yes, j'ai trois mots. Die hipsters come. Non, ça. Okay, shout-out Miguel. Un truc que j'avais demandé, actually, à Factual, une habileté battle rap que tu trouves qu'il fait mieux que toi, puis une que toi, tu fais mieux que lui. Ben, je te dirais que l'habileté que, honnêtement, je trouve qu'il me surpasse dessus, mais que j'ai commencé légèrement à surpasser, c'est vraiment l'habillement. Parce que je trouvais qu'il s'habillait bien depuis ses débuts, tandis que moi, tu sais, j'étais pauvre, on le savait, je dealais avec plein des choses, la polytoxicomanie, tu sais. Fait que j'avais de la misère à m'habiller de façon convenable. Souvent, avant un battle, j'allais prendre, une veste à une certaine personne, une casquette à une autre personne pour essayer de matcher à la dernière seconde. T'étais sur la last minute prep. Yeah, exactement. Okay. Et j'ai comme l'impression que maintenant, vu qu'il m'a donné ses vêtements, je peux maintenant le outshine. Je porte mieux ses vêtements que lui, finalement. Right. C'est ça, il y a eu des dons de vêtements. Il y a eu des dons de vêtements, man. OK. Est-ce que ça tente vite fait de parler des autres match-ups sur la carte? On a ouais, Chrome contre nous. Chrome contre nous. 2-1 Chrome. Il va gagner le premier round, le deuxième round. Arnaud va arriver avec un concept fulgurant dans le troisième round. Et malheureusement, ça ne sera pas assez pour lui pour avoir la victoire. Une prédiction précise. Crack Esther contre Dirty Chris. Dirty Chris, mon partner, shout-out à lui. Lui va remporter 3-0 haut la main. Ça sera même pas questionnable. Crack Esther va probablement se volatiliser pour un autre 5. Là. Damn! Straight. SOV, VK? SOV, VK, je pense que malgré le rôle de VK de gatekeeper, il va peut-être se prendre un bon ass-whooping de SOV. Je pense pas que VK est dans le right set of mind présentement pour gagner des battles. Shout-out à lui, still. Mais je pense que SOV battle il y a genre un an, là, ça fait quand même un petit bout. Je pense qu'il va arriver puis il comprend un petit peu quelle position qu'il a à jouer là-dedans. Je pense qu'il a plus, il est moins investi avec son ego, mais plus avec son cerveau. Tandis que VK, c'est le contraire. Puis VK, quand il se fâche, puis il a comme une mauvaise attitude, ça le fait balbutier beaucoup, puis ça le fait rater des trucs, ça le fait lancer des chaises quand il part du ballon avec moi. Juste simple. Ah ouais, ok. Je comprends quand tu fais relance. Et puis finalement, Speed contre Disciple. Disciple, man. Aye. The saga continues, man. Disciple. Très légendaire. J'espère donc que Disciple va fucking step up le sens de ses lines. Parce que he got everything, mais comme man, work sur tes lyrics, bro, prends un cours Duolingo, quelque chose, bro, puis tu vas make it comme tu rêves de make it. Merci pour ces fabuleuses prédictions. Shout out. On se catch le 10 septembre. 10 septembre, achetez vos billets sur le point de vente. Yes, Metro Jarry. Be there, witness history. Merci d'avoir été là pour l'entrevue. On est out.